Allez, salut à vos familles. Voilà, c'est Nana Maïzan. Comme vous le voyez, je suis au bureau à Saint Jean Entrepreneur depuis la base de Béoubi. Et nous sommes là pour le rendez-vous. Voilà, parce qu'on s'était donné rendez-vous depuis hier. Qu'aujourd'hui, j'allais faire un direct pour parler un peu du port. Voilà, donc pour ce soir, nous allons échanger un peu parce que notre domaine, c'est l'importation de poissons. Et souvent, en commentaire, on voit les commentaires, les préoccupations de certaines personnes. Alors, aujourd'hui, je me mets en direct, voilà, pour répondre un peu aux préoccupations de certaines personnes qui n'osent pas... D'abord, il y a souri un peu, non? Hein, qui ne nous appelle pas, qui n'osent pas, qui attendent souvent qu'on réponde aux commentaires directement pour qu'on puisse continuer dessus. Souvent, bon, on ne prend pas le temps de répondre à tous ces commentaires hein, parce que quand on veut avoir une information sur quelque chose, voilà, la plupart du temps, quand tu vois un vendeur qui passe avec un marchand qui passe avec un produit qui vous intéresse, on ne l'indexe pas et puis on demande le prix, on l'appelle, il vient. Puis, on engage une causerie avec le vendeur en question. Souvent même, on essaie de rentrer dans son milieu. On échange, on parle du produit, du prix. Pourquoi le prix est comme ça? Pourquoi le choix de vendre ça ou bien tant? J'ai vu une vidéo aujourd'hui comme ça. Hein, quand je me promenais, j'ai vu le vieux père Hassan qui a acheté un paquet de Lotus à 100 000 francs. Il a vu le gars à cause de son handicap. Il a interpellé, viens. Il est venu, il a fait une vidéo. Est-ce que vous voyez? Il a fait une vidéo. Il lui a demandé pourquoi le choix de vendre les Lotus. L'enfant lui a donné le choix, le pourquoi. Et lui, son cœur aussi, lui a dit, donne-lui 100 000 pour un paquet de Lotus de 500. Soit 500 francs et un bonus de un pouvoir de 99 500. Vous voyez. Donc, il y a l'information qu'on donne sur Facebook. Actuellement, on ne donne pas les informations sur les détails, les prix et autres, tout ça, parce que nous sommes suivis par Facebook. Il y a tellement de restrictions qu'on donne juste l'intitulé du projet. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, voilà, vous pouvez vous connecter. Oui, vous pouvez nous appeler, on laisse des numéros, les contacts WhatsApp, vous pouvez nous appeler facilement et puis demander ce que vous voulez. Allez, famille, c'est Nana Maïzan, le fondateur de 100 jours d'entrepreneur. Voilà, le fondateur de 100 jours d'entrepreneur. Excusez-moi. D'accord. Je suis Nana Maïzan, fondateur de 100 jours d'entrepreneur, résident à Béoumi depuis le 25 janvier 2012. Voilà, je suis résident à Béoumi depuis le 25 janvier 2012. OK. Et je suis le fondateur de 100 jours d'entrepreneur. Alors, je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions par message. Voilà, vous pouvez poser vos questions par message. Pour ceux aussi qui sont connectés, qui n'ont pas envie de poser leurs questions par message ou bien qui posent leurs questions et qui vont voir que je n'ai pas à répondre, vous pouvez rapidement envoyer vos messages sur le WhatsApp 0707 20 46 72. Voilà, vous pouvez envoyer vos messages, c'est le WhatsApp qui est devant moi, 0707 20 46 72. Si vous mettez 2x07 que ça ne soit pas enlevé, le 07 qui est devant, et puis vous posez la question par WhatsApp, je prendrai le temps de répondre si je ne vois pas les messages qui défilent en bas. D'accord? Donc, je suis à votre disposition. Nous allons parler un peu du port de pêche de Côte d'Ivoire. Alors, 100 jeunes entrepreneurs a pour objectif de valoriser l'entrepreneuriat associatif. L'entrepreneuriat associatif, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a compris le sens de l'entrepreneuriat. Plusieurs jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Hein? Voilà, je vais faire une fois, j'ai pas de trucs, hein. Tout ce que je vais dire là, c'est pas noté, ça est là. Voilà, c'est pas sur papier ou tout ça pour dire que je vais regarder ceci et tant. C'est mon ordinateur qui est allumé, mais c'est la musique
que je joue. Voilà, je vais, hein, on va parler colo colo. Quand on dit tu maîtrises ton sujet ou bien t'en, posez-moi les questions, je vous réponds. Hein? L'importation de poissons, c'est ce qu'on a choisi de faire. 100 jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Nous, là, nous avons choisi l'importation de poissons. Vous, vous demandez pourquoi nous, on n'élève pas le poisson. Alors, on va montrer la différence entre l'éleveur et l'importateur. Le pêcheur, hein, le pêcheur et le vendeur. Ce sont des choses qu'il ne faut pas confondre. Le contenu ne peut pas devenir le contenant, mais le contenant aussi ne peut pas être le contenu. Il ne faut pas confondre les deux. Donc, nous, on a notre spécialité. Maintenant, si on choisit de devenir pêcheur, ça, c'est un autre level. Alors, nous allons échanger. On n'a que 22 personnes. Si les 22 personnes, chacun partage à la manière de Makusso, si vous partagez le direct et que chacun invite une personne, vous voyez qu'on va doubler tout à l'heure. Hein? Vous voyez qu'on va doubler rapidement. C'est des sujets sensibles qu'on ne parle pas de ça. Vous voyez, ce sont des sujets sensibles qu'on ne parle pas de ça, mais qui méritent qu'on discute en tant qu'Ivoirien. Parce que chacun s'assoit dans son salon et dit, voilà, ce sont les étrangers qui ont occupé le port de Côte d'Ivoire. C'est eux qui mettent leur loi là-bas. Mais on passe dans nos voitures, vite teintées, on ne s'arrête pas. On ne prend pas la peine de... Vous voyez, non? On ne s'arrête pas pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas ou bien le port là-même. On parle du port, là-même. Hein? Vous voyez? Donc, les gars, venez, on va parler. Partagez un peu le direct. Mettez un statut WhatsApp. Invitez vos amis. Les adhérents, voilà, je vous attends. Invitez vos amis, demandez à vos amis de venir se connecter parce que Nana Maïsa est en direct. Pour ceux qui hésitent, qui veulent poser des questions, c'est le lieu de venir poser la question. Ah, tu lui dis, le gars que tu cherchais là, depuis tu veux poser question, tu doutes, on te dit de l'appeler là. Au lieu de là, il est en direct. Viens poser ta question en direct et puis il va te répondre en direct. D'accord? Donc, allez, famille, je suis connecté. Nous sommes à 23 personnes. Hein? Nous sommes à 23 personnes actuellement. Seulement. Pourtant, si on disait qu'il y a cassement de papeau, si on disait à quelqu'un qu'il y a cassement de papeau, on va parler du monsieur qu'on a attrapé dans un hôtel là, tout le monde allait se connecter. Mais comme on parle d'entrepreneuriat, les gens ne vont pas se connecter. Les gens vont partager, ils vont voir, ils vont dire, oh, ce sont les mêmes là. Ils ne vont pas partager. Venez nous encourager. L'entreprise est créée depuis quand? L'entreprise est passée au statut entreprise apparition au journal officiel le 17 août 2020. Mais nous existons depuis 2016. La première chambre froide a été construite en 2016 à Béoumi, au grand marché de Béoumi. Et on a fonctionné en tant que des petits commerçants. Et jusqu'en 2017-2018, nous sommes passés au lancement du projet officiel 100 jeunes entrepreneurs. Et ensuite, nous avons légalisé tout. C'est-à-dire qu'on avait un registre de commerce qu'on fonctionnait, mais qui n'était pas au statut entreprise. Et nous sommes passés au statut entreprise depuis 2020. C'est-à-dire, nous avons 2 ans, 2 jours. Notre anniversaire, c'était le 17 août passé, avant-hier. Mercredi, c'était notre anniversaire, 2 ans d'existence. 2 ans que nous avons des partenaires, que nous payons, nous donnons les RSI, c'est-à-dire que nous vendons et puis nous partageons les bénéfices un peu. Merci encore parce que je vois que la barre monte, ça augmente déjà. Merci de partager, d'inviter vos amis. Invitez vos amis. Nous sommes à 33 déjà. Donc, c'est l'information qui est là. Monsieur, c'est depuis 2020 que nous sommes passés au statut entreprise. D'accord, les gens sont là, 33, allons-y à 50 rapidement. Hein?
Mettez sur vos statuts, invitez vos amis, atteignons 50 rapidement et puis on va passer à autre chose. Atteignons les 50. Allons à 50. 50, on est à 36. Vous voyez, ça monte si vite. Ça monte. D'accord? Allons-y. Nous sommes à 50. Nous sommes à combien? 38. 50 personnes seulement. 50 personnes seulement. 43. C'est super. Mmh. 46. Déjà. Beaucoup, Ézéchiel, 46, 53. Merci beaucoup, famille, voilà. Alors, je sais que déjà, les 50, là, avec les 50, là, pour la première fois de l'histoire, 100 jeunes entrepreneurs va faire 100, hein, 100 connectés, d'accord? On va faire la première fois de l'histoire, on est déjà à 50, les 50, là, chacun va inviter un ami. Et puis, on va passer à 100. Hein? Dites aujourd'hui, après les hein, 2 ans d'existence, voilà, je vois déjà des cœurs comme Marcus. Hein? Je vois déjà... pour la première fois de l'histoire, avant la fin du truc, on doit avoir 100 connectés pour qu'on puisse dire, au moins 100 jeunes entrepreneurs, on a vu qu'il y avait 100 personnes qui étaient connectées à l'heure directe. Boko Ézéchiel, le projet d'investissement est toujours d'actualité ou bien c'est bouclé? C'est pas bouclé. Frère, c'est pas bouclé, ça continue. Si tu as besoin d'avoir plus d'informations, tu appelles le 07 47 13 10 04, Monsieur Théa Kofi Michel, vous l'appelez. Et puis, il vous donne toutes les informations. Notre bureau est situé vers Abidjan Mall, juste avant, entre, comment on appelle ça, partant de 9 kilos, au pâté Charama Plus, après Charama Plus, au pâté tout droit, avant le Carrefour Didier Mardi, il y a un garage à votre droite, sur le côté gauche, au premier étage. Nous sommes là à Abidjan. Pour tous ceux qui sont à Abidjan, qui veulent passer nous saluer, qui veulent passer pour avoir plus d'informations sur ça, passez. Ne manquez pas, hein, nous sommes là-bas, on vous attend. Alors, famille, merci. La librairie Yao Beni, ok, quelle est la garantie pour mon investissement? Vous passez, il y a un contrat qui vous lie avec nous. Donc, à partir de votre compte, à partir du contrat, vous lisez les clauses du contrat pour monsieur. Yann Yao, voilà, vous lisez le contrat, vous pouvez appeler le numéro que j'ai laissé, il va vous donner le contrat, vous prenez connaissance du contrat et puis si ça vous sied, allez, vous remplissez les conditions et puis on est partenaire. Voilà, et puis on est partenaire. D'accord, famille? Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Nous sommes descendus à 41. Je réponds un peu à vos questions avant de commencer. 100 jeunes possèdent combien de chambres froides? Nico, où sont elles localisées? Actuellement, avec nos partenaires, nous sommes à 13 chambres froides. D'accord? Nous sommes à 13 chambres froides. Il y a d'autres qui ne veulent pas que... qu'on communique souvent sur leur localisation parce qu'ils vont se dire que ce sont des trucs. On a des partenaires et puis on a nous-mêmes nos propres chambres froides. Est-ce que vous comprenez? Le partenariat avec une chambre froide qu'on approvisionne et puis nous-mêmes nos propres chambres froides. À Béoumi, vous pouvez passer au grand marché de Béoumi. Voilà. Partant de la mairie, après la mairie, le rond-point de la mairie, comme si vous partez à... comment on appelle ça, à l'église catholique, le premier carrefour, deuxième carrefour à votre gauche, le deuxième lot. L'îlot là, il n'y a que 2 lots dessus, nous sommes au deuxième lot, juste au marché. Pour ceux qui connaissent le marché de Béoumi, où il y a la statue de Lyon, juste à votre droite, nous sommes là aussi. À Boaké, vers le pont Djibo, l'aliment du pont Djibo en allant au Duc, nous avons une chambre froide qui est là. À Zaye, au marché, à Kounaïri aussi, juste. Si vous quittez à Biobi, dès que vous rentrez à Kounaïri, à peine vous rentrez dans le marché, vous allez trouver la chambre froide juste au bord de la route là. Alors, ce pourquoi nous sommes connectés, on prendra le temps de vous répondre. À Abidjan, nous faisons le stockage juste à côté du portail de la gendarmerie. La société qui est juste là, je ne vais pas dire le nom de la société pour faire sa publicité, parce que sans jeune entrepreneur même. Voilà, nous faisons le stockage à Abidjan juste à côté de la gendarmerie. Si vous voulez nous voir au port là-bas, c'est là-bas. Là-bas, vous pouvez nous contacter. Et puis, si vous voulez acheter du poisson en gros aussi, on est là-bas.
Ok. Qu'est-ce qui vous motive de créer 100 jeunes entrepreneurs et pourquoi le sens de poisson et est-ce que le projet est limité pour poisson? Les projets ne sont pas limités qu'aux poissons. D'accord? Les projets ne sont pas limités qu'aux poissons. On a eu Capren Land qu'on a lancé qui est bouclé. Voilà, l'élevage qu'on a lancé qui est bouclé. Vous pouvez défiler sur, sur notre page, vous allez voir les informations dessus. On avait lancé, mais on a bouclé les souscriptions là-bas. L'importation de poissons, bon, partant du fondateur, c'est dans le domaine que je maîtrisais le plus. Et puis, l'idée de 100 jeunes entrepreneurs, je me suis dit, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour développer plusieurs business? Nous sommes des jeunes Ivoiriens. Nous n'allons pas passer le temps seulement à, nous n'allons pas passer le temps seulement à boire les biens ensemble. Oui, nous aussi, en tant que jeunes entrepreneurs, on a besoin de se mettre ensemble. Alors, voilà un domaine d'activité qu'aujourd'hui, on a ignoré, aujourd'hui, qui a pris toute la Côte d'Ivoire. Qui sont ceux qui exercent dans le domaine de l'importation de poissons? C'est là la question. Le domaine de l'importation de poissons. Qui sont ceux qui sont là aujourd'hui en Côte d'Ivoire? À votre avis, le port de Côte d'Ivoire, le port de pêche de Côte d'Ivoire, à votre avis, ah, excusez-moi, j'ai fermé quelque chose que je ne devais pas fermer. À votre avis, le port de Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs, partagez le direct. À votre avis, le port de Côte d'Ivoire, qui sont ceux qui travaillent le plus? Ceux qui font l'importation de poissons. À votre avis. Vos questions, vos avis sur la question. Quand tu vas au port à Abidjan, 13 villes, avant on disait c'était, avant on disait au port de pêche, avant on disait juste en face de la Sotra là, à votre droite là, mais maintenant ce n'est plus juste en face de la Sotra, hein. Le port de pêche se délocalise en plein quartier des 13 villes. Juste au marché de Samsung, vous voyez les conteneurs qu'on aligne là. Les conteneurs qui sont alignés au bord là, qu'on aligne au bord. C'est une société portuaire qui est là, qui n'est pas dans le port là-bas, qui est au cœur de la ville ici. C'est-à-dire qu'il a pris son entrepôt de stockage au centre-ville ici, il est là. Je ne vais pas dire son nom. Mais les conteneurs que vous voyez alignés là, à votre droite, là. Et si vous quittez au Grand Carrefour, là, en allant, votre gauche. Maintenant, si vous venez du pont, en venant, c'est sur votre droite. Le marché de Samsung. Les conteneurs qu'on aligne là, à votre avis. Quand vous arrivez à la gendarmerie, de la gendarmerie jusqu'au bureau de la Sous de Sy, en passant par l'entrée de la morgue, là, l'aliment qui est là. Quand vous dépassez la zone ici, vous passez à votre droite, vous partez un peu devant, dedans, là-bas encore. Poisson. Quand vous dépassez Sotra, vous descendez un peu, Nestlé un peu devant, à votre droite, poisson. Qui sont ceux qui occupent ce domaine-là, ce secteur-là? C'est quoi le taux de la rentabilité durée? Je vais parler de ça après. Comme je suis rentré dans le sujet, allons-y, parlons un peu de ceux qui occupent le port actuellement. J'ai vu un commentaire qui dit Malien, Burkinabé, Libanais. D'accord, effectivement, Malien, Burkinabé, Libanais. Ok, mais pourquoi eux? Merci au grand frère Ulrich qui me suit. En tout cas, merci pour le soutien, prière, matin, midi, soir. Marie Clotilde, la brave femme, la seule brave, hein, notre brave femme qui est parmi 5 garçons, elle est seule. C'est elle qui cuisine pour nous. Si vous voyez qu'on a faim, c'est que c'est elle. Pourquoi ce sont eux? Pourquoi ce sont les Maliens, les Libanais, les Burkinabés qui sont au port là-bas? Et
assis chez nous, dans nos salons, on déteste ces personnes. On les déteste. Ah oui, notre port de Côte d'Ivoire là, l'État a laissé, ce sont les Maliens et les Burkinabés qui occupent le port. Le port de Côte d'Ivoire là, l'État a laissé, ce sont les Libanais qui occupent le port. Pourquoi? Pendant que tu es en train de dire ça au quartier, pendant que tu es en train de parler de ça à une boulangerie, pendant que tu es assis au Mbaki, tu es en train de parler de ça, pendant que tu es assis dans un bar, tu es en train de parler de ça. La nuit là, ces Libanais, ces Maliens, ces Burkinabés sont assis chez eux en train de réfléchir demain comment faire rentrer un conteneur. Et quand tu te réveilles matin, tu donnes 2000 francs à ta femme. Tu dis, je vais au Jossi. Et puis madame aussi va au marché, elle achète le poisson. On dit qu'elle vient, le poisson a augmenté. Tu dis, mais ces Maliens vont nous créer 1000 problèmes. C'est pour qui l'appel là. Pourquoi on les déteste? Pourquoi on veut les détester? Hein? Pourquoi on veut les détester? Pendant que nous sommes en train de construire des immeubles à Abidjan, nous sommes en train de construire seulement des immeubles dans des villes, pendant que nous sommes concentrés sur les immeubles, nous sommes concentrés sur autre chose, nous sommes concentrés sur le luxe, nous sommes concentrés sur autre chose orientée ailleurs. Nous sommes concentrés sur les bureaux au 23e étage au plateau. Mais ces personnes ont vite compris. Ces personnes ont compris. Excusez-moi une chose. Hier, j'ai vu un poste qui disait que les Haoussa vont gréver dans notre pays ici. Il faut voir, voilà comment tu as laissé ton pays là. Ils vont gréver. Ils vont gréver. Pendant qu'on est en train de faire le rang, on a passé un concours, ça n'a pas marché. On vient s'asseoir au quartier, on est assis au salon. On attend toujours papa s'en va au travail, il nous donne petit déjeuner. Le petit Haoussa qui a même âge que nous, là, il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a brouette. Il loue brouette 250. Il pousse un peu jusqu'à après, il commence à louer au trot. 500 francs par jour. L'argent qu'il gagne là, il trouve un petit espace abandonné au quartier là même qu'on est incapable de nettoyer. Il vient voir le chef du quartier. Viens faire ton coin qui est là. Il sait que les jeunes jouent Maracana là chaque jour. Le coin qui est là, je vais m'asseoir là, ils envoient la mairie. Il dit, je vais payer taxe 5 000 francs par mois. Ça fait combien? 60 000 francs par an pour la mairie. Pour petit espace là. Dans une commune, imaginons qu'on a 1000 vendeurs de garba qui vont payer 60 000 francs par truc. Ça fait combien d'argent qui rentre dans les caisses de la commune? Les gens ne vont pas réfléchir par quatre chemins. Installez-vous. Vous payez vos taxes 5 000 francs comme ticket par mois. Ça nous fait combien de millions? S'ils payent 60 000 francs par personne pour 1000 vendeurs de garba, ça fait combien? Calculez sur vous, c'est pas moi qui vous dis, ça fait 60 millions qui est rentré dans la caisse de la mairie. La mairie va refuser. Mais pendant ce temps, on est assis chez nous. Ils sont dans les camions de transport de meubles pour venir en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés, ils font ça. Alors si demain le prix du thon monte au port là-bas, et qu'au quartier, nous qui partons manger garba, on est là. Mais Diallo, Amidou, c'est comment? Mais Amidou, mais Kaba, garba là, tu coupes petit. Lui aussi, il va s'élever pour dire. Le prix du thon a augmenté. Aujourd'hui, là, nous aussi, on doit protester pour que les gens baissent le prix un peu. Donc, ceux qui sont plus dans ce domaine-là, ce sont les Haoussa. On ne peut pas les accuser. On ne peut pas les accuser, on ne peut pas les en vouloir. Pendant qu'on est là, on se dit, non, machin, ce n'est pas notre truc, ça ne nous intéresse pas, ça ne fait pas tant. Mais eux, ils sont en train de gagner dedans. J'ai vu un poste qui disait que le garba, le thon du kilogramme est comment on appelle ça, à 400 francs au Sénégal. À 400 francs au Sénégal. Ça, c'est le prix qu'ils ont dit. Mais la réalité est là. J'ai voyagé. Je suis allé au Sénégal là-bas moi-même. L'Ivoirien, aujourd'hui, le port de pêche du Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qu'on a négligé. Les débuts d'année où c'était accès facile d'avoir espace au port là-bas, les Ivoiriens ont négligé. On était plus concentré sur autre chose. Les Maliens, les Burkinabés, qui n'avaient pas peur de la boue, traînaient dans la boue en sautant là-bas. Et plus on développait le pêche, on développait le port, eux aussi, ils prenaient des magasins là-bas.
Ils construisaient leurs chambres froides là-bas. D'autres ont travaillé avec des sociétés qui sont tombées. Mais en partant, ces personnes ont cédé à ces Maliens qui travaillaient avec eux, à ces Burkinabés qui travaillaient avec eux. Et ces Burkinabés sont devenus propriétaires aujourd'hui. C'est le fils qui a travaillé avec son père qui hérite. Mais si nous, les Ivoiriens, en son temps, on n'a pas travaillé avec eux, comment on va devenir des héritiers de certaines sociétés au port là-bas? Il y a plusieurs sociétés, si on donne aujourd'hui leur truc. Pendant que les Libanais décident de fuir, parce qu'il a eu son argent, il est en train de rentrer chez lui au pays. Le gars qui est là, on leur dit, ah, nous on veut vendre. Tu vas voir, ils sont là. Ils disent, bon, ok. Amid, il faut envoyer quelque chose. Toi, va envoyer quelque chose et chacun apporte un peu, ça devient beaucoup. Il donne aux Libanais, voilà ce qu'on peut voir. Ok. Voilà ce que ça peut nous donner. Pendant que ces gars luttaient, je connais un peu Batia ici, des gens étaient en train de le dénigrer. Oh, il était de cas au port avant de devenir aujourd'hui propriétaire parce que les gars partaient et ils ont cédé. Excusez-moi, comme il pleuvait, j'ai coupé le clim là. Voilà, à cause des coupures de courant, mais il commence à faire chaud. Je vais mettre le clim là en marche. Excusez-moi. Je suis là, juste à côté. Donc vous voyez, des gens ont commencé à dire, ah ceux-là, c'est la chance qu'ils ont eue. Ils étaient avec des Libanais, ils étaient avec des Libanais, quand les Libanais partaient, ils ont cédé la société. Eh, chez nous en Aïba, Akoa Bodinisi, Yodi Lelesowao. Est-ce que vous comprenez? Pour ceux qui suivent la poule là, c'est lui qui mange la cuisse des criquets. On se comprend? Le poussin qui suit sa maman, la poule, c'est ce poussin-là qui peut manger tous ces criquets. Si on n'a pas accepté d'intégrer, d'apprendre auprès d'eux, de rester à côté de ces personnes qui ont investi premièrement, comment on va pouvoir s'intégrer? Aujourd'hui, on ignore totalement le fonctionnement du port. On ne maîtrise pas le fonctionnement du port. Et je vous dis, c'est dangereux. C'est dangereux pour notre jeunesse qui refuse d'aller apprendre. Moi, aujourd'hui, quand je vais parler, peut-être certaines personnes vont dire, « Oh, ils ont commencé encore leur même problème. Ils ont commencé leur problème là, ici. » Oh, mais non, ils ont commencé les mêmes. Ils viennent nous mentir, ces entrepreneurs-là, quand ils commencent, et puis ça va un peu chez eux, ce sont eux qui viennent s'asseoir. J'ai commencé avec tant. Peut-être, si mon grand frère Ahmed était connecté, j'allais lui dire, quand j'ai commencé à Mans, en 2011, en tant qu'employé chez les Libanais, je suis rentré dans le domaine de poissons. En 2011, le 22, c'est-à-dire que après demain, quelques jours seulement, après demain, là, le 22, j'ai commencé le 22 août 2011, à Mans. Dans une poissonnerie courée à la banque SGBC, à Mans. C'est là-bas que j'ai commencé ma formation. On était payé à 7000 francs par semaine. J'ai fait 3 mois avec. Ils m'ont fait passer à 10 000 francs par semaine. De août, septembre, octobre, novembre. En décembre, quand je partais à Touba, c'est là qu'ils m'ont fait passer à 10 000 francs. De Touba, je suis venu à Boaké. Je suis arrivé le 25 janvier 2012 à Béoni. J'ai fonctionné avec mes 10 000 francs jusqu'en août. Ils m'ont fait passer à 15 000.
Et c'est jusqu'en février 2013 qu'on va me dire désormais ton premier salaire, ton réel salaire qu'on va te payer, c'est 75 000 en tant que gérant. C'est-à-dire de 2012, je suis venu, j'ai construit la chambre froide, on me faisait tourner. J'ai fait Boaké, j'ai fait Katula, j'ai fait Sakasso, j'ai fait Zouaouien, passé par Danané, passé par Biakouman, dans toutes ces zones-là. Boaké. Mais quand je quittais la société, je vous dis, voilà mon salaire peut-être. Je peux venir, je peux mettre devant la caméra. Si vous pouvez lire. J'espère, hein. Vous avez vu, c'est mon patron, il écrit tellement mal. 102 245 francs. La date, c'est en 2016. C'est en 2016, vous pouvez voir peut-être. En 2016, ça a déchiré quoi. Quand je quittais le travail, pour ceux qui sont là, voilà mon certificat de travail. Voilà, c'est ça, c'est le certificat de travail qu'on m'a donné. On a accepté d'apprendre à côté de ces Libanais. On a accepté d'apprendre. Parce qu'il n'y avait pas de travail au pays. J'étais à Abidjan, j'étais gérant de maquis. Après, j'étais gérant de cabine à comment on appelle ça, au terminus 40. Je n'ai pas dit non que ce n'était pas temps. Non, ça c'est ce que je faisais. Mais dans l'apprentissage où mon grand-père m'a fait venir, c'est là-bas que j'ai appris. Et puis, un peu. Par l'entrepreneuriat, je dis, par mon expérience, j'ai fait fédérer plusieurs personnes ensemble. Je n'ai pas dit que j'ai économisé 100 francs, 100 francs et mon salaire là. Hein. N'allez pas dire ça demain sur Facebook. Hein. Non. Je n'ai pas dit que c'est mon petit salaire là que j'ai économisé. J'ai dit, j'ai appris auprès de ces personnes. J'ai fait fédérer des personnes autour de l'idée. Et c'est ensemble que nous sommes arrivés à 100 jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ces jeunes Maliens, ces jeunes Burkinabés, très soumis, que vous trouvez dans les magasins qui font sortir les choses ensemble, mettre leur argent ensemble, et au fur et à mesure, tu vas voir qu'ils vont créer un petit magasin, et puis eux tous, ils sont dedans, un peu, les magasins de moto que vous voyez là. Si on explique l'histoire du vendeur de moto, vous n'allez pas comprendre. Mais on va vous dire que, quand vous allez voir, il va voir magasin Silla et Frère, vous allez voir Amidou et Frère, vous allez voir Tangari et Frère, c'est ça. C'est-à-dire, de leur solidarité est née une société. Est-ce que vous voyez? De la solidarité est née une société. Le salaire que tu as vu là, c'est en tant que gérant. J'étais le gérant de la chambre froide. En tant que gérant de la chambre froide. On travaillait du lundi au dimanche. Je n'avais pas de jours de repos. Moi, les jours de repos que j'avais quand je travaillais, c'était les fêtes de Tabaski et les fêtes de Ramadan. La fête de Noël, je travaillais. La fête de Pâques, je travaillais. Et puis, oui, quand j'étais ici à Béoumi, les gens peuvent témoigner. Je travaillais tous les jours. Du lundi au dimanche, je travaillais. C'est ce qui est resté sur moi aujourd'hui. Vous voyez que je suis tout le temps. Donc, vous voyez, je vais répondre à vos questions. Laissez les questions, hein. Je vais parler et puis après, je vais. Donc, l'Ivoirien et le port, les Burkinabés, ceux qu'on appelle les étrangers, ont accepté de travailler auprès de ces premiers investisseurs du port. Et aujourd'hui, l'expérience a fait qu'ils s'y sont associés. Quand vous allez arriver devant un magasin, quand vous arrivez devant un magasin, les jeunes qui vous appellent, qui vous approchent, vous voyez un petit entrepôt, mais ils sont plusieurs, plus de 10 personnes qui sont assis là. Chacun achète son petit stock et il met dans le truc. Le gars qui a l'entrepôt, il est là. Et puis ses frères qui viennent là, entre eux, leur solidarité, ils sont assis devant. Ils sont des managers devant la chambre froide. Le gars, il envoie le stock, et tous sont les managers, il t'approche. Viens, tu veux quoi? Tu veux quel poisson? Tu veux quel kilo? Tu veux combien de kilos de poisson? Tu veux maquereau? Tu veux? J'ai du bon poisson, vieux père, vrai sol, so. Voilà, ça faut venir voir. Ça là, si tu envoies à la maison seulement, là, madame a préparé ça, là, vieux père, tu ne mets même pas sol, tu ne mets même pas sel, hein, tu ne mets pas plus magique. Mais tout est déjà dans le carton. Là. Ce sont des vrais managers. Mais nous, là, c'est comment Joe? On se prend le soir. Rendez-vous, c'est où? À Sini ou bien Bassam? Non, aujourd'hui, on va à Jacquesville. Il y a Foy. C'est relancé, c'est combien? C'est 20 000 ou bien c'est combien? Hey, les sorties entre 10 personnes, souvent, quand ils font le week-end, ils sortent comme ça. Là, c'est des millions qui vont en fumer. Et puis, ils reviennent. Le lundi, ils sont galérés. C'est vrai, non? Donc,
les Ivoiriens ont tellement négligé, on a ignoré le port. Ceux qui ont accepté d'apprendre auprès de ces personnes sont devenus aujourd'hui. Pour avoir l'agrément, c'est le parcours d'un combattant. On ne veut pas dire ce qu'on a payé pour notre premier conteneur, amende qu'on a payé là. Pour notre premier conteneur, par ignorance, on a nos chambres froides à Biumi. Je vais vous dire, on a nos chambres froides à Biumi. On a chambre froide à Kounaï. Nous, on a agrément service vétérinaire. Je vais au Sénégal, poisson vient. Parce qu'on a acheté ici, on faisait du poisson vient. On est content. Le conteneur va sortir, on a eu tout papier, on dit c'est déposé. On arrive. Pour les formalités, on dit votre nom n'est pas ici. Facebook est trop fragile. Si j'ai dit le montant, les gens vont me vendre. Mais je sais que là où je suis en train de parler, le transiteur me suit. Mon grand frère Michel me suit. Ils savent comment mes yeux sont devenus rouges au port. La station qui est juste là, là. J'ai coulé l'âme dans la voiture. J'ai coulé des larmes dans la voiture parce que soit ça passe ou ça casse. Des millions qui étaient dans le conteneur, qui étaient stockés là-bas. La procédure qu'on m'explique, c'est pas du jeu. J'ai saigné fort. Le grand frère m'a dit, petit frère, faut pas te décourager. Tout début est difficile. Faut pas te décourager. Tu es en train de perdre aujourd'hui pour apprendre. Mais aujourd'hui, on est habitué. Mais je vous dis que si je n'avais pas eu ce grand frère burkinabé, que je vais dire son nom ici, vous allez dire Zumrana Gérard. Vous pouvez taper. C'est lui qui a attrapé ma main comme ça, qui m'a envoyé dans le bureau de Jésus Kwame en son temps, en 2016, dans son bureau. Le grand frère Zumrana, je t'ai dit, Gérard, je t'ai dit merci. Le grand frère Michel, c'est un frère burkinabé qui a attrapé ma main pour m'insérer dans le port. C'est un jeune burkinabé qui a attrapé ma main comme ça. Si vous voulez passer au port, dites-lui merci. C'est un jeune burkinabé qui, moi, m'a introduit dans le port. En 2016, c'est lui qui a attrapé ma main comme ça. Il me dit, viens petit frère. Et il m'a appelé, on est rentré dans le bureau de Jean-Jacques Kwame, je ne croyais pas. Mais ces jeunes côtoyaient Jean-Jacques Kwame, ils étaient à côté de lui. Soumis. C'est grâce à lui. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. C'est un jeune burkinabé qui a attrapé ma main pour maintenant. Donc souvent quand je suis assis là, je regarde les gens et puis on les critique, on parle, on les insulte et autres, les Maliens. C'est faux. C'est quand tu arrives dans le port que tu veux te montrer que toi tu es arrivé là. Eux ils vont te montrer qu'ils étaient là avant toi. Mais si tu rentres dans le port en tant que personne soumise, ils vont te faire grandir. La partie là, si vous voulez capter, je dis, ce sont des jeunes burkinabés qui ont attrapé ma main dans le port. Je pêche le Côte d'Ivoire. Pendant que dans l'administration, on me taxait, ce sont eux qui me conseillaient pour dire, petit frère, faut tenir fort. Si on veut que les Ivoiriens avancent dans ce milieu, il faut encourager. La même manière quand on nous prend en infraction sur la route, et puis on nous maltraite. Parmi les trucs là, parmi mes adhérents, il y a des policiers dedans. Hein. Excusez-moi, hein, demain ne me frappez pas. De la manière souvent on nous maltraite sur la route là. Il dit, dans des bureaux là, on coule des larmes comme ça. Mais je remercie au ministère de la production animale et halieutique, monsieur Soro, un monsieur très humble. Il était 16h quand je suis arrivé. Il a attrapé les documents. Il a dit, sans jeunes entrepreneurs, vous êtes des jeunes Ivoiriens. Oui. Tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est de vous encourager. Date limite de dépôt des dossiers pour avoir l'agrément d'importation, parce qu'on avait le coût d'impôt, tout. 16h, ils ont attrapé. Il a dit, c'est 100 jeunes entrepreneurs. Les dames du ministère, là, de la porte 39, je leur dis merci au passage. Si vous passez au ministère, dites merci à ces dames qui sont là-bas. Très accueillantes. Il était presque l'heure, mais elles nous ont. Mais quelque part là-bas, il y a des endroits où il ne dit pas non, parce que mon nom est petit. C'était comme si on était des braqueurs.
Aujourd'hui, on dit le prix du truc a monté. C'est monté. Le prix du poisson. Je vais finir la petite partie, répondre à des questions et puis passer de l'importation au, hein, de l'importation et non la production locale. D'accord? Hein, je vais conclure juste un peu parce que je vous ai expliqué. Les jeunes maliens et burkinabés ont accepté d'apprendre auprès des autres. C'est pourquoi ils sont aujourd'hui les maîtres de leurs grands-parents à leurs parents jusqu'aux fils aujourd'hui. C'est des petits-fils qui sont là aujourd'hui. C'est un truc qui est resté depuis fort longtemps. Ils ont occupé ces parties. Donc même si aujourd'hui, Ivoirien, tu as l'argent que tu arrives, tout le secteur est déjà occupé. Tout ce que tu peux faire peut-être, c'est des locations d'entrepôts pour stockage, comme nous le faisons. Mais pour venir construire pour toi-même là, c'est que tu vas venir en ville ici. Parce que ce secteur-là est occupé. On se comprend? Ce secteur est totalement occupé. Les Libanais sont arrivés en Côte d'Ivoire et ils ne sont pas venus pour construire des immeubles d'abord. Hein. Le Libanais dit ce qui rentre dans la bouche de l'homme, là, dans le quotidien de l'homme. Ce que l'homme touche chaque jour, il faut investir dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ils ont des grands restaurants et autres dans l'alimentation. Ils investissent dans ce qui rentre dans notre bouche chaque jour parce qu'on mange chaque jour. On utilise chaque jour. Donc quand ils sont venus là, quand tu vas venir les trouver, c'est aux têtes. On te dit c'est la famille aux têtes. Est-ce que vous voyez? Excusez-moi. On dit c'est un souci de connexion Wi-Fi. À cause de la pluie là, il pleut à Béoumi en fait. Il pleut à Béoumi, donc le Wi-Fi a... Par moment, vous voyez, donc, quand il pleut, c'est comme Canal Plus. Voilà, le temps est un peu bizarre, c'est pourquoi c'est... Donc, quand il arrive, derrière Hassan qui est installé là, il y a 10, 15, 20 qui envoient 10, 20 millions, 30 millions gauche-droite. Et puis c'est Hassan seul qu'on voit. Mais il y a plusieurs partenaires derrière la société portuaire que vous voyez. Donc c'est le cumul. C'est de l'entrepreneuriat associatif. C'est une association. Ce n'est pas une association qui dit à la fin du mois, cette année, on doit fêter, on doit tuer bœuf. Mais ils s'associent. Et puis ils s'installent dans un coin. Ils s'associent et puis ils s'installent et ils sont forts. C'est comme ça, ces Libanais-là sont en train d'occuper tout le territoire national. Ces grandes sociétés que vous voyez occupées par des Libanais-là, ce n'est pas une personne. Parce que quand tu vas venir, quand tu vas voir l'enfant qu'on dit, il est le directeur de cette société-là, l'enfant-là n'a que 25 ans. Mais on dit, c'est lui, c'est pour lui la société. Mais derrière cet enfant de 25 ans expérimenté, c'est 10, 20, 30 personnes, 40 qui ont mis l'argent ensemble. J'ai reçu des Libanais à Boaké ici, où nous étions. J'ai dit, des babatiers, des gens qui sont venus investir 50 millions dans une chambre froide. Mais quand ils sont arrivés, vous savez comment ils ont dormi? C'est une villa que l'autre a louée, qui était là. Ils sont arrivés, des directeurs de société, ils ont payé des matelas, ils ont déposé. Même au salon, ils ont dormi. Et le matin, eux tous, ils se sont levés, ils ont fait la réunion, ils sont allés visiter la chambre froide, propre, ils ont donné l'argent à l'autre, ils ont pris leur voiture, ils ont continué. Ils ne sont pas allés dormir dans des hôtels de 50 000 dirhams. C'est ça, ils ne sont pas allés dormir dans des hôtels de 50 000, non. Petit, petit hôtel. Donc, alors, les Libanais se sont mis ensemble, ils ont créé des grandes sociétés portuaires. Les Burkinabés et les Maliens ont accepté de côtoyer ces Libanais qui sont aujourd'hui aussi, qui ont une partie du port. Donc, voilà comment le partage s'est passé. Pendant qu'on était concentré, école, 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 bureau, école, 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 bureau. Après échec, on est Brangana, on est assis là. Après diplôme, on est assis, on attend concours. Voilà comment les choses se sont passées. Donc, frères et sœurs, famille de 100 jeunes entrepreneurs, le partage. Alors, le partage du poste s'est fait dès le départ. Pour ceux qui n'ont pas suivi
Quelqu'un disait, pendant que Terry était avec 5 000 à Abidjan, mon papa était en train de danser Bachengue. C'est comme ça. Pendant qu'il était facile d'accéder au port, nos parents avaient choisi d'investir quelque part, construire, prendre l'argent, construire un terrain, une maison d'une valeur de 100 millions, et puis déménager pour aller s'asseoir dedans, manger matin, midi et soir. Ils n'ont pas pensé à investir dans ce domaine. Donc aujourd'hui, on a perdu 90%. On a perdu 90%. Je vais parler de l'importation. Et non, l'élevage. Mais avant, je vais répondre à vos questions. D'accord? Je vais répondre aux questions que j'ai reçues par message. Voilà, je regarde les questions que j'ai reçues par message, les commentaires aussi. Les messages qui sont en commentaire, je vais regarder. Ouais, le poids est détenu par les étrangers. Changez notre entrepreneur pour cette commune de chambre froide. Mettez les cœurs, partagez le direct. Courage, chef Vinance. J'ai partagé, ok. Je suis un témoin oculaire, Papson. Ok, merci. Merci, 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 merci. C'est quoi le taux de rentabilité de la durée? Et le taux de rentabilité, la durée de rentabilité, est-elle garantie? Avantages et inconvénients. Pour un investissement de 500 000 euros, le taux d'investissement d'un montant de 500 000, c'est 10,5%. Ça fait 52 500. La durée du contrat, c'est 3 ans, 36 mois. Quand vous envoyez votre argent, nous travaillons avec. Pendant 3 mois, après les 3 mois, on commence à vous verser quelque chose. C'est compris? On ne peut pas déposer l'argent aujourd'hui du tic au tac. La garantie, c'est qu'on a 2 ans avec nos premiers partenaires, avec nos premiers amis, si je veux le dire de manière simple, avec nos premiers amis. Et ensemble, nous travaillons. Grâce à eux, nous sommes à ce stade où nous sommes. Donc, c'est la garantie seulement qui est là. Maintenant, le contrat de partenariat, parce que tu ne veux pas donner ton argent sans qu'on écrive quelque chose. Donc, on a un contrat qui fait 4 pages, donc tout est détaillé dedans. Le numéro pour les informations, c'est le 07 47 13 10 04. 07 47 13 10 04 pour les informations. Après ce direct, si vous voulez appeler à Abidjan pour avoir les informations. C'est ça même, on est concentré sur comment réussir les funérailles. On est concentré sur comment réussir nos funérailles. On dépense des millions dans des funérailles. On est capable de cotiser 2 millions tout à l'heure pour l'organisation des funérailles d'un ami qui nous a coûté cher. Mais on est capable de cotiser en présence de cet ami qui n'avait pas de travail. Hop, coupure de courant. Les gars, c'est noir, Béoumi. C'est venu. On est incapable de cotiser. On est incapable de se mettre ensemble pour réaliser un projet du vivant de cet ami. Peut-être cet ami a chanté, fatigué. Les gars, mettons-nous ensemble. Construisons un hôtel. Les gars, mettons-nous ensemble. Créons tel petit business. On a refusé de le faire. Mais aujourd'hui, on est prêt à cotiser des millions pour aller faire les funérailles de cet ami. Il y a un choix entre actionnaire et puis partenaire. Il y a des projets dans ces avis. Hein, il y a des projets, hein, il y a des projets qui sont à vie. Excusez-moi, Boris Koudjane, à partir d'ici, je n'arrive pas bien. Parce que je regarde de l'autre côté, je ne vois pas. Le contact, ok. Je lis sur l'écran. Ah oui, mon doigt est de l'autre côté. J'ai répondu à la question 102 000 là, c'était en tant que gérant de la chambre froide. Gérant d'une chambre froide. Ouais, on y va. Je regarde un peu les questions, s'il y a des questions. Il y a des questions que je sais pas, j'ai dû sauter d'autres ici. Sur l'écran ici, que le premier à
à aimer le travail de poisson pendant que les autres aiment le bureau, c'est ça? Il y a une question que j'ai sautée. Si tu vois que je n'ai pas répondu à ta question, vous remettez la question pour que je puisse voir. Votre question, c'est... Pour le manuel, je n'ai pas retrouvé la question, donc il faut voir. Pour le manuel, je regarde ici. Mike, il y a des questions que si je n'ai pas répondu, tu peux faire capture pour m'envoyer sur le WhatsApp. Il y a des questions, si tu vois qu'il y a des questions importantes que je n'ai pas répondu, tu fais capture pour m'envoyer pour que je puisse voir ça facilement. Le projet AVI, c'est le projet d'élevage de cabri là. Ça, c'est un projet d'actionnariat. Comment devenir actionnaire? Ou patienter dès qu'on lance un projet, parce que quand on lance le projet, on met le statut. Si c'est actionnariat ou bien c'est partenariat. Exemple, partenariat, là, quelqu'un peut avoir un magasin de ciment et puis il n'arrive pas à approvisionner son magasin à temps, comme il se doit. Il nous informe. S'il y a des personnes qui souhaitent, on vous met en contact. C'est tellement simple, vous comprenez, non? Voilà, donc ce projet comme ça, le gars, il a son magasin, il a tout fait, il a besoin de juste un partenaire pour le stock. Est-ce qu'il faut promouvoir l'entrepreneuriat à l'école? Bien sûr, ça doit rentrer même. Vous voyez, à partir de la classe de 5e, on autorise l'entrée dans des centres de formation professionnelle. Dans ces centres de formation professionnelle-là, là-bas même là, les centres de formation, les écoles de métier, là, là-bas déjà, on doit enseigner à un jeune, si tu as choisi d'être mécanicien, quand tu sors d'ici, là, tu n'es pas obligé d'aller t'asseoir pour te promener avec ce diplôme pour avoir un travail en tant que mécanicien dans une société de... Je ne sais quelle marque, Mercedes, BMW ou bien tant. Mais tu peux créer un garage. Tu peux créer un garage où tu te spécialises dans tel domaine. C'est ça. Où tu te spécialises dans tel domaine. Aujourd'hui, là, il y a une marque de voiture que les gens appellent ça en Côte d'Ivoire, Peugeot. Peugeot. Mais tu as fait l'école. Tu maîtrises, tu te spécialises, tu prends ton... Il faut suivre ça là, il faut bien faire la formation. Même si c'est pour l'envoyer, aller faire la formation chez les Blancs là-bas, et puis il revient, il s'installe, garage Peugeot. Tu as ta voiture qui a problème, appelle-moi seulement. Le gars vient, à la seconde, tic-tac, il fait. Si on sait que la voiture est en panne, on a telle personne qui peut le faire, c'est parti. Mon petit, tu t'en vas à l'école, voilà telle chose que tu aspires faire. Quelle solution pour que l'Ivoirien puisse s'intéresser au port? La solution, c'est de prendre notre courage à deux mains. De la manière dont nous sommes intéressés, on a construit nos chambres voiles. Je vais vous dire la concurrence, je vais parler de la concurrence déloyale qui se passe actuellement sur le marché et je vais vous donner la solution de comment se mettre ensemble pour pouvoir. Est-ce que vous comprenez? La solution pour qu'on s'intéresse au port. Aujourd'hui, c'est de passer par la création des sociétés portuaires. C'est nous qui consommons, non? Exemple, tout à l'heure, si la population, les Ivoiriens décident de dire, désormais, je consomme, parce que vous allez voir, on a un nom déjà sur les étiquettes du poisson. Par moment, on va publier, vous allez voir. Vous allez voir des cartons où c'est mentionné de 600 jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire que ce carton de sous-sous-là, ce sont des jeunes entrepreneurs qui importent ça. Si l'Ivoirien décide, chacun dit, bon, ok, je m'en vais au port là-bas, je m'en vais acheter dans la main des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. À la seconde, comme de la manière quand on décide de se désabonner sur la page de quelqu'un et puis on fait vous et puis c'est fini ou bien quand on veut s'abonner, on s'en va un coup là. Imaginons que nous lançons le projet livraison de poissons à Abidjan et puis tous les Ivoiriens disent bon ok, on va faire ça. On n'est pas dans une histoire de faire consommer Ivoirien. On n'est pas dans ça. Pardonnez, ne venez pas me dire ça. Ce sont mes parents là qui ont attrapé ma mère pour faire rentrer là. Mais il m'a posé la question, je réponds. Si aujourd'hui on décide de consommer leurs produits, de la main de nos petits frères. Aujourd'hui, ils vont avoir aussi leur place au port. Mais là n'est pas la question.
là n'est pas la question. Comment se frayer une place? Nous partons de l'importation à la construction de nos propres chambres froides. La lutte doit se faire comme les réseaux là sont en train de le faire là. Sans jeune entrepreneur doit devenir le wave. Nous on vient, on tape dedans. Tac, on prend tous les machines. D'accord? Le petit montant pour adhérer actuellement sur le projet de poisson, le petit montant c'est 500 000. D'accord? Le petit montant c'est 500 000. Nadine, merci beaucoup. Ouais, Nico, on peut poser question. Oui. Il y a un choix. Donc, vous avez vu, j'ai déjà expliqué quelle solution afin que l'Ivoirien s'intéresse. Rejoignez 100 jeunes entrepreneurs. Ensemble, on va passer. Il y a des Ivoiriens au port. On n'a pas dit qu'il n'y a pas Ivoiriens au port. Hein. Il y a des Ivoiriens au port. Les Ivoiriens travaillent là-bas. Il y a des Ivoiriens qui ont société. Mais ils ont bori. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas Ivoiriens au port. Il y a des Ivoiriens au port. Ne venez pas me dire que j'ai pas dit, que j'ai dit qu'il n'y a pas Ivoiriens au port. J'ai dit qu'il y a Ivoiriens. Mais pourquoi on accuse toujours que c'est ceux-là qui détiennent la majorité du port? N'allez pas... Pardonnez, n'allez pas interpréter, mais dit autrement. Je n'ai pas dit ça. C'est parce que la question revient beaucoup sur Facebook que je suis en train de parler de ça. Alors, je continue. Mike, s'il y a des questions que j'ai sautées, si vous voyez que je n'ai pas répondu à vos questions, envoyez la question au 07 07 20 46 72, le WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp que je ne réponds pas trop, mais aujourd'hui, je l'ai activé pour des questions. S'il y a un, vous pouvez envoyer, n'envoyez pas par SMS sur le compte WhatsApp. 07 07 20 46 72. Si tu as envoyé ta question que je n'ai pas répondu, envoie sur le WhatsApp, c'est connecté. Je vais regarder. D'accord? D'accord, famille? Je suis connecté sur ça. Si je n'ai pas répondu à votre question, vous envoyez là-bas, je réponds. OK? Maintenant, pourquoi le choix de l'importation et non l'élevage? Quand au village, tu arrives pour la première fois au village, quelqu'un qui a passé toute sa vie à Abidjan, il arrive au village, il veut faire champ la première année. Quand on va au champ, il y a igname là-bas. On prend igname là aussi, on braise, on fait bouillie d'igname pour manger. Mais quand c'est le lieu, hein, le premier champ, la première année, qu'est-ce qu'on fait? En allant, on est obligé d'acheter l'igname de quelqu'un pour partir. Parce qu'il n'y en a pas en brousse là-bas pour dire non, tu vois. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, nous, on a fait le choix de l'importation parce que l'Ivoirien doit manger aujourd'hui, l'Ivoirien va manger demain. Et puisque l'Ivoirien doit manger, on parle du présent, la situation qui se présente à nous aujourd'hui, c'est d'approvisionner le marché. Donc, on a fait le choix de rentrer dans la danse de l'importation. Mais, on n'a pas écarté l'élevage. L'élevage de poissons fait partie de nos projets. Comme l'élevage de cabri qu'on a lancé. Est-ce que vous comprenez? Comme l'élevage de cabri qu'on a lancé. C'est compris? Comme l'élevage de cabri qu'on a lancé. Donc, on a fait le choix de l'importation de poissons parce que il y avait le besoin déjà d'approvisionnement du marché. Et il avait la perte à une vitesse comme un véhicule sans frein. La disparition des Ivoiriens sur le marché de poissons. J'ai regardé une vidéo tout à l'heure. Il y a deux commerçants. À un moment, il y a l'autre qui a son prix, l'autre qui a son prix. L'autre a vu que l'autre a un prix bas. Il a acheté tout son stock. Elle a quitté sur le marché. Et puis, elle a ajouté le stock de l'autre. Parce que c'était, l'autre était à 150, l'autre était à 140. Donc, elle a acheté le stock de 140 là pour mettre sur elle son stock. C'était des plaquettes d'œufs. Elle a ajouté sur pour elle. Et puis, elle a fait passer maintenant à 350 au lieu de 150. Les gars ont cassé le prix de poisson
nos mamans se sont détournées vers les Libanais qui achetaient là-bas et nos poissons ont pourri. En 2016, je suis allé acheter sardinelle à 14 000 au port. Je suis arrivé à Boaké. La même société vendait la sardinelle à 14 000 à Boaké. J'ai fait transport pour quitter là-bas pour venir. Mon poisson a pourri. Aujourd'hui, la sardinelle est à 15 000, 16 000 à Boaké. Vraie sardinelle, on parle de 17 000, voire 18 000. Mais c'est eux seulement qui sont restés. Il a cassé le prix sur un conteneur. On a perdu nos stocks et il est resté seul sur le marché. Pourquoi? Parce que c'est lui qui importe le poisson. Il te vend une partie et puis tu viens le trouver sur la route, sur le marché ici. Chez nous, en Haïti, on appelle ça Krofia. Il est dedans, il est dehors. Il est au port là-bas, il est à l'intérieur ici. C'est lui qui fait et qui défait. Alors, à cette perte de vitesse, on s'est dit quoi? Si on laisse ce marché totalement à des personnes, à une seule communauté, demain nous allons subir. Ensemble, nous allons nous lancer. Et c'est comme ça que pendant 2 ans, nous avons bataillé. Pendant les 2 années, et aujourd'hui, on a pu avoir tout. Tout ce qui est papillasse pour prendre du poisson dans n'importe quel pays pour venir en Côte d'Ivoire. Alors, le soutien que vous pouvez nous apporter, c'est d'avoir de gros partenaires, de gros investisseurs ensemble, d'avoir des associés, parce qu'on ne veut pas voir notre projet mourir. Donc, pour ceux qui demandent pourquoi l'importation et non l'élevage, on envisage les deux. Bientôt, nous allons procéder aux démarches avec le service pêche, la police pêche ici, le service vétérinaire, pour monter un projet d'élevage de poissons, toujours à Béoumi, qui est notre premier lieu. Alors, votre question, vos préoccupations de pourquoi on ne le fait pas, nous allons rassembler. Parce qu'on ne veut pas faire une petite pêche. On ne veut pas faire petit élevage. Quand on veut faire, on fait grand. Et que tout le monde voit, comme de la manière dont nous le faisons aujourd'hui. D'accord? Il n'y a pas eu de questions sur WhatsApp. Hein? Il n'y a pas eu de questions sur WhatsApp. Donc, allez, famille. C'est Nana Maïzan. J'ai vu le pourcentage au-delà de 1 million. Au-delà de 1 million, c'est 11% du capital après les 3 mois. Si on prend votre 1 million, on achète poisson. On est sûr que ça peut vous rapporter 11% de votre capital chaque. C'est-à-dire, je prends ton poisson, je vais acheter les cartons de tilapia 10 000. Avec tes 1 million, il peut avoir 100 cartons. S'il y a 1 000 francs dessus, là, il peut avoir 100 000 la première commande. Il peut avoir 200, deuxième commande, 100 000 encore, ça fait 200 000. Et puis nous, on te donne 110 000 dedans. Et puis les 90 000, là, on paye nos employés dedans. On paye impôts dedans. On paye un peu, puis il va nous rester quelque chose de 20 000. Nous, les jeunes entrepreneurs, là, nous aussi, on va manger ça. C'est tellement simple. Vous voyez, non? Voilà le calcul qu'il y a. Monsieur Romeo Serge Oulaï. Apport initial. Koussounou. Apport initial. C'est à partir de 500 000. Pour une personne, le maxi, c'est 10 millions. Question. Après Koussounou. Après Monsieur Koussounou, question. Il y a un lien WhatsApp en commentaire. Pour ceux qui veulent rester connectés avec nous, cliquez sur le lien WhatsApp. En commentaire, vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp là-bas. Vous pouvez poser toutes les questions après ça.
Maintenant, si vous voulez m'appeler moi-même, de vous laisser mon numéro. Il est 21h15. Il est 20h15. Toutes les questions sur l'entrepreneuriat, hein, si vous êtes dans un domaine aussi d'activité, vous pouvez poser quelques questions. Je vais voir si je peux répondre, je vais répondre. Mais sur l'importation de poissons, 100 jeunes entrepreneurs a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat associatif, c'est-à-dire se mettre ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'être ami, adhérent à 100 jeunes entrepreneurs. Mais ce qui doit rester, ce que nous devons retenir de l'initiative des 100 jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, ce que vous devez retenir, c'est que dans vos quartiers, étant étudiant, dans votre administration, vous devez vous mettre ensemble pour créer des projets. Vous devez vous mettre ensemble pour investir. Vous devez vous mettre ensemble parce que le salaire seul ne va pas suffire. Je prends le cas des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Permettez-moi de brosser ce sujet 5 minutes sur ça. Quelqu'un qui rentre à la fonction publique a 90% de chance de réussir dans sa vie et garantit un avenir meilleur à ses enfants. Quand il dit aux gens, à un instituteur IA, qu'il est multimillionnaire, il te dit, l'argent l'on gagne combien? L'État nous paye combien? Vous savez qu'un fonctionnaire qui a son matricule déjà, aujourd'hui quand il va s'arrêter devant une banque, souvent quand je pense à ça, ça me donne envie de pleurer. Parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir un matricule à l'époque. Peut-être que si j'avais eu un matricule à la fonction publique, j'avais eu la chance d'avoir quelqu'un pour me pousser pour rentrer aussi à la fonction publique, peut-être je ne serais pas ici en train de me casser la tête aussi. Mais Dieu a voulu que je sois là pour révolutionner quelque chose dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je dis merci à mon formateur Hippo Christophe qui m'a coaché, qui m'a motivé. J'ai suivi un peu Kwaki Ziedo. Je ne l'ai pas trop suivi, mais je suis un peu son école. Je le suis un peu sur les réseaux sociaux par les motivations. Sans oublier mon doyen depuis le Congo, Flabby. Tu as un matricule à la fonction publique, tu es solvable devant une banque. Tu vas à la banque, tu dis il y a besoin d'un prêt de 5 millions, on regarde ce que tu gagnes par mois. Sur 5 ans, est-ce que tu peux rembourser? On va te donner. Mais comme tu sais que si tu prends les 5 millions toi seul, ça va s'évaporer dans ta main. Tu commences d'abord à travailler la mentalité de 5 à 10 personnes autour de toi pendant 1 an, 2 ans. Parlez uniquement de projet à chaque fois que vous allez vous voir. Quelque chose va naître de cette causerie intense. Et vous allez trouver un domaine. Que chacun parte prendre 5 millions, 5 millions dans sa banque. À 5 personnes, vous avez 25 millions. Un capital pour la construction aujourd'hui d'un hôtel. En son temps, le terrain était moins cher. Pour la création d'un magasin. Les motos que les gens vendent, les grands magasins de motos que vous voyez là, les motos coûtent 400 000 à Boaké, les petites motos KTM et autres, tout ça. Là. Si vous avez 25 millions que vous voulez créer, un magasin de vente de motos seulement, avec 25 millions, là, vous pouvez avoir combien de motos? Déjà, combien de caisses de motos pour commencer? Si c'est des vélos que les gens vont prendre au Ghana ou bien où ça pour venir ici, là, si c'est des vélos que vous battez prendre, avec 5 personnes que vous voulez lancer ce commerce-là, combien est-ce que vous allez avoir? La réalisation d'un bar, les bars que nous voyons, on dit ça appartient à telle personne, lui seul, là, il y a plusieurs personnes derrière souvent. Il y a 2 ou 3 personnes derrière. Chers fonctionnaires de Côte d'Ivoire, commençons à voir les choses autrement. Laissons l'État, évitons de regarder trop dans les caisses de l'État, mais tournons-nous vers nos banques, prenons assez de prêts, investissons. Ils ont dit qu'ils sont là pour nous donner prêt. Non, si tu as ton salaire là-bas, ils courent derrière toi. On te fait souscrire à des assurances chaque année. Autant tout ça là, quand on vous coupe par mois et puis vous voyez tout ça là. Peut-être si tu as investi, c'est que ça te rapporte chaque mois. L'assurance là, tu vas oublier ça. On te dit, on va te donner 1 million chaque année.
tu as 30 ans de fonction, tu souscris seulement, on te coupe chaque année seulement. Mais quand tu calcules ce que tu as cotisé jusqu'à pendant le nombre d'années là, si vous étiez ensemble et puis chacun mettait un peu ce truc là, collectait à 20 personnes, une promotion, ils sont 1000. Ils payent assurance 60 000 francs qui couvrent toute la famille par an. Ils ont cotisé 60 000 francs comme assurance qui est déposée quelque part là-bas. Pendant 5 ans, ça fait 300 millions. Leur assurance peut construire une usine d'Anacad qui va coûter 400 millions. Donc pendant 6, 7 ans, 8 ans, leur assurance qu'ils ont cotisé aux 1000 fonctionnaires dans un coin, ça peut construire une usine. Mais on ne sait pas. On cotise l'argent pour mettre quelque part. Mais on n'est pas prêt pour se mettre ensemble. Chers frères et sœurs, ça me fait mal si on veut parler chaque jour. Si vous souhaitez que qu'on fasse des directs chaque week-end, je vais voir les messages, envoyer les messages, ceux qui souhaitent me voir en direct chaque week-end. Tu mets le message et puis tu mets la date, le jour que tu souhaites me voir en direct. Le message et le jour que tu souhaites me voir en direct. En commentaire, je veux voir. RSI, là, c'est comme il est dans ses 3 ans. Mike, il faut regarder les commentaires. Il est rempli. Alors, famille, il me reste 8 minutes. Il est 20h22. À 20h30, j'arrête le direct. Il me reste 8 minutes. Je vais voir dans vos commentaires ceux qui souhaitent que je fasse un direct. Et puis, chaque semaine, nous allons laisser un message, le thème qui vous passe par la tête, que vous ne trouvez pas de solution. Si vous le souhaitez, en début de semaine, on mettra. Et puis, on va voir ceux qui souhaitent que je fasse un direct. On va le faire. D'accord? Famille, j'attends. Il nous reste que 20 personnes. Tous les vendredis à 19h. D'accord? On va noter. Mike, le monsieur là, son nom là, c'est H-I-M. C'est quoi, Im? Il dit, il souhaite que tous les vendredis, d'accord, monsieur Kouna, c'est compris. Comme vous souhaitez être en direct tous les jours avec moi, il n'y a pas de problème. Je vais te laisser un numéro, le numéro que je vais laisser à la fin, à 20h28, je vais laisser mon numéro direct WhatsApp. 20h28, mon numéro direct WhatsApp, je vais laisser. Monsieur Kouna, tu pourras m'écrire, me laisser les messages. Parce que les 07 que j'ai donné là, je réponds au message une fois par semaine. Mais mon numéro qui est toujours connecté là, je vais laisser ça. Moi, je suis pas patron. En fait, je ne peux pas utiliser les deux WhatsApp. Donc, j'ai un WhatsApp que j'utilise où je reçois toutes les informations, tous les messages. Je vais laisser. Je ne suis pas patron pour dire non, ah, ça c'est un numéro privé. Ou bien, en fait, ce numéro là, je ne vais pas utiliser, être dispersé. Quand c'est comme ça, ça ne fait pas crédible. J'ai un seul numéro, vous m'appelez dessus. Souvent, si vous regardez mon numéro, c'est jamais déconnecté. Donc, même quand il me réveille la nuit pour aller pisser, je reviens, je regarde les messages WhatsApp. Si ça nécessite une réponse, je te réponds. Mais quand on veut faire du sérieux, évitez d'envoyer les messages à 4h du matin, à 3h du matin. Cédric Aka, on ne donne pas conseil samedi, hein? Il est dit à vendredi, actuellement les gens s'apprêtent à aller dans les boîtes. Donc ça veut dire si tu mets un truc là, un direct là, on ne donne pas conseil. Vous laissez ça. Mettons les jours où quand les jeudis quand les gens reviennent du boulot, ils sont en train de respirer un peu, se préparer, assis au salon là, ils peuvent facilement sur la terrasse, facilement sur le direct. C'est encore mieux. Mais les vendredis, c'est pas mal aussi. Chacun a un temps libre, il sait que demain il va pas à tu. D'autres sont déjà à des funérailles, des veillées ou tout ça là, mais bon, vendredi,
Ok. Il reste combien de minutes? Il est 25. Il n'y a pas de questions? Oui, la Côte d'Ivoire a besoin des fonctionnaires et des tubes. On n'a pas dit, hein, je le dis toujours, hein, pour ceux qui m'ont déjà suivi longtemps, j'ai dit, celui qui vient et qui dit, ceux qui sont allés à la fonction publique ont raté leur vie, pour ceux qui m'ont déjà suivi, hein, excusez-moi, je rappelle ça, je dis très bien, si tu suis un coach qui te dit, tu as raté ta vie parce que tu es allé en fonction publique, il faut te désabonner, il faut le bloquer. Vous avez compris? Ah, d'accord. J'ai dit que j'ai fait des démarches, non? S'il y a personne dans ces administrations et puis tout le monde venait, voulait devenir entrepreneur, là, qui allait être là-bas pour suivre ces démarches-là? On a besoin de fonctionnaires. C'est pourquoi j'ai dit toujours, quand il rentre à la fonction publique, qu'il accepte de réinvestir leur rappel qu'on leur donne là. Il ne faut pas qu'ils vont prendre pour acheter fauteuil. J'ai plusieurs fois parlé de ça aujourd'hui, là, il n'est pas revenu sur ça. On ne prend pas le rappel pour aller acheter fauteuil, pour aller acheter moto, pour aller acheter télévision, écran 50. On ne prend pas ça pour faire ça. C'est fou à faire. Pour ceux qui l'ont fait, ce sont des erreurs. Non, on ne prend pas ça pour faire ça. On ne prend pas le rappel pour aller partager en famille. Vous avez vu, ils ont coupé courant là sur moi encore. Merci pour l'exhortation. Message très instructif. Merci pourquoi. Je souhaite une conférence le vendredi soir également. Merci. Merci, maman Delphine Bédia. Merci, maman. Projet actuel prendra fin quand? On a un quota à atteindre. Donc, à partir du quota qu'on veut atteindre, dès qu'on atteint le quota, c'est parti. Je suis dans le noir. Hein? C'est avec la lumière de mon ordinateur que j'ai terminé la conférence. Courage coupé à Béomi. Y a-t-il une procédure pour un partenaire de devenir actionnaire après son contrat d'études? Question ça là, ce n'est pas à l'heure du jour. Hein. Question ça là. Il n'y a pas de procédure, hein. Il faut laisser ça là. Hein. Il ne parle pas de futile. Stan Group, pardon, excuse-moi. On avait mis en direct, on avait mis depuis hier statut et tout ça, mais j'ai oublié mon nom. Excuse-moi pour ça. Hein. Alors, je vous ai dit qu'à 28, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Prenez note, parce que je suis en train de tout débrancher. Prenez note, j'ai été content d'être avec vous. Je suis en train de tout débrancher. Je ne sais pas. Vous êtes prêts pour le numéro? 01 03 50 77 53 01 03 50 77 53. C'est mon numéro personnel. C'est mon numéro que je réponds à tout moment sur le WhatsApp. C'est mon numéro personnel. Si vous me laissez un message que votre préoccupation est vraiment une préoccupation, je ferai mon possible pour répondre. Écrivez-moi sur ce numéro seulement. Si vous êtes à Abidjan, appelez le 07 47 13 10 04 pour avoir toutes les informations. Si vous êtes à l'intérieur, ou vous êtes à Béoumi, dans la zone de Boaké, vous pouvez appeler le 01. Vous pouvez joindre les autres numéros. Ils vont mettre tous les numéros en commentaire. Après. Merci beaucoup à vous, famille. Courant est coupé. Je dois fermer le bureau pour entrer pour éviter de me faire agresser dans le noir. Donc, merci beaucoup. J'ai été content. Laissez vos commentaires pour ceux qui souhaitent que je fasse un direct chaque semaine. Laissez un commentaire. Nous allons tenir compte de ça. Les administrateurs sont là. Ils vont tenir compte de vos préoccupations. Merci beaucoup. La vidéo restera sur la page pour ceux qui veulent partager à leurs amis pour écouter après. Merci, c'était Nana Maïsa depuis le bureau de Béoumi, fondateur de 100 jeunes entrepreneurs. Buvez moins.